Non, ils sont pas là non plus. Toujours pas là. Bah non, pas là. Pas là non plus. Pas là non plus. Pas là. Ah, bah vous êtes là, je vous cherchais, voilà. Impossible de vous trouver. Nulle part, au téléphone, par mail, bah, vous vous cachez relativement bien, monsieur Homme, les acquéreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'osez plus vous appeler. Je vous rassure, on ne mord pas. Alors, c'est vrai que le marché, il est compliqué, de plus en plus compliqué. On a les taux qui montent, on a le marché, on entend dire qu'il va baisser. Bon, il baisse un petit peu, mais pas dans la proportion de la hausse des taux. À titre indicatif, il y a à peu près 2 ans, quand vous pouviez emprunter 300 000, et bien aujourd'hui, avec le même budget, vous empruntez 230 000. Une sacrée marche, hein, 70 000 euros d'écart. Pour autant, les maisons qui étaient à 300 000 il y a 2 ans, et bien aujourd'hui, elles ne sont pas à 230 000. Donc le marché se complexifie de plus en plus. Alors, c'est vrai que peut-être que vous ne vous concentrez pas forcément sur le bon sujet. Certes, le prix, on ne peut pas l'ignorer parce qu'on a tous un pouvoir d'achat et on ne trouve pas l'argent sous le sabot des chevaux. Mais c'est déjà de se poser la question. Pourquoi vous choisissez cette maison, cet appartement à cet endroit-là? Bah, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir déjà se concentrer. On choisit cette maison, cet appartement parce que il est dans le quartier qui nous intéresse, avec les écoles, les commerces, les transports. Cette maison parce qu'on a un jardin qui nous plaît, on a le nombre de pièces dont on a besoin. Et puis, bah, effectivement, on arrive à un prix. Et là, il va falloir effectivement entrer dans cette capacité de financement. Est-ce que je peux ou pas me payer ce bien immobilier? Moi, ce que je propose, c'est qu'on en discute parce que de l'autre côté, on a les vendeurs qui, pour le moment, peut-être ne vendent pas beaucoup. Donc, bah, il y a matière à discuter. On entre vraiment dans cette phase. Donc, moi, ce que je vous propose, appelez-moi. On ne mord pas, hein. Personne ne mord, hein, je vous rassure, hein, mes collègues non plus. Et puis, on en discute et je pense qu'on pourra avancer. Allez, à bientôt. Ciao.